manifesté cet après-midi à Gatineau contre les entreprises qui portent des noms anglais au Québec. Les manifestants se sont symboliquement regroupés devant le magasin Sleep Country du secteur du Plateau à la demande du mouvement impératif français. Ils dénoncent toutes les compagnies qui ne traduisent pas leurs raisons sociales telles que Future Shop, Best Buy ou Second Cup. Soulignons toutefois que rien dans la loi n'oblige ces entreprises à modifier leur nom.